Bonjour, bonjour, tout mon bon frère, mon bonne sœur, qui là, et aussi tout ce qui peut écouter moi ce matin à travers l'Internet. Moi, cueillir dans le nom de Jésus. Ce matin, j'ai la joie, le privilège de porter à l'Évangile. Et dans mon cœur, j'en viens encourager concernant nous l'amorce avec Jésus. Qui nous l'amorce? Connais, dans nous la vie, nous bien connais. Quand nous connaissons Jésus, Jésus nous change nous la vie. Il nous donne une nouvelle la vie, non? Et même quoi, nous gagnons ce témoignage dans nous le cœur. Le Saint-Esprit des uns, le témoigne nous ça, qu'il nous a une nouvelle créature. Donc, 2 Corinthiens 5, 17, nous pouvons ensemble les dire. Dans 2 Corinthiens 5, 17, les dire. Si quelqu'un lit en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Depuis que nous connaissons bon Dieu, bon Dieu, il change nous la vie. Nous tiennent l'autre du monde avant nous qu'on lit. Nous partons à l'esprit bon Dieu dans nous. Nous tissons bon Dieu à toutes nos manières. Mais bon Dieu, lui, il nous révèle nous sur l'amour à travers Jésus qui nous donne sur la vie de la croix. Mais cela a été révélé par son Saint-Esprit dans nous le cœur pour dire qui nous naît de nouveau et qui nous est une nouvelle créature. Non? Et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses nouvelles pour nous. Un nouveau la vie. Un nouveau style de vie. Mais moi, j'ai envie de poser la question ce matin. Est-ce qu'on peut vivre réellement sa nouvelle la vie-là? Est-ce que réellement on peut donner la vie pour mort, le chemin que Jésus nous ouvre devant nous là. Pas oublier que Jésus nous paye un prix pour ça. Qu'il nous rachète nous dans le péché. Nous sommes esclaves de nos péchés. Nous sommes lités, nous sommes écrasés par un fardeau de ça le monde là. C'est un joug dans la vie qui t'emmène nous partout. Et nous ne connaissons pas comment pour sortir en bas à Zougla. Mais la grâce, bon Dieu, manifestée, quand Jésus nous donne sur la vie de la croix, il nous sauve nous. Mais aujourd'hui, nous dans le monde, nous sommes changés, mais nous pas comme le monde. Nous ne pas capables de marcher pareil comme le monde marche aujourd'hui. Nous avons une autre manière pour nous vivre. Une autre manière pour nous marcher aujourd'hui. Jésus nous a choisis du milieu du monde et nous n'est plus comme les gens de ce monde. Et nous ne sommes pas capables de penser pareil comme le monde, agir pareil comme le monde. Nous ne sommes pas capables de dire ben, que le monde haït nous et nous sentons nous abaissés, nous sentons nous écrasés. Jésus même dit, si le monde vous haït aujourd'hui, mais ça, c'est qu'il y a avant, il y a moi. Et moi, dans le monde, je ne pense pas comment le monde. Je vis comment la bon Dieu choisit pour lui vivre. Faire la volonté, bon Dieu. Non? Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quelle manière nous avons envie de vivre? Quelle manière nous avons envie de marcher? Quel modèle nous avons envie de suivre? Non? Pas oublier que l'esprit de ce monde-là, le diable, lui régner, lui pour contrôler nous, lui pour séduire nous par toutes sortes de choses. Mais seulement nous, les chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait qu'il nous éloigne de ces choses. Il faudrait qu'il dans nous, les chrétiens, il y ait une soif quand on écoute la parole de Dieu. Qui nous permettent la parole de Dieu, change-nous la vie. Dans Jean,
dans un an, nous pouvons lire, les dire comme ça, un an, chapitre 2, le verset 15. Les dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous peut faire, aujourd'hui le monde peut courir la course vers la perdition. Le monde peut courir la course vers la perdition, mais aujourd'hui, en tant qu'un enfant de Dieu, qui est la course? Qui est la course? Hein? La parole parle nous comment aujourd'hui, ce qui peut passer dans le monde, ce qui peut arriver aussi dans le monde, la course que les hommes peuvent courir, les pareil comme au temps de Noé. Les pareil, c'est la même course. Et si vous lire, si vous ouvrez la Bible avec moi dans Matthieu, chapitre 24, lisez-nous comme ça. Dans Matthieu 24, le verset 37, lisez-vous. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans le jour qui posséderait les délices, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et marier les enfants jusqu'à ce que Noé rentra dans l'arche. Ces jours-là, les pauvres pareils, nous trouvons aujourd'hui que dans le monde, les hommes, les femmes, peuvent courir la course, qui pas comment nous, bon Dieu demande nous courir. Hein? La course vers les choses matérielles. Et la course pour faire plaisir sur la terre. Et la course pour construire des choses dans le naturel. Et la course pour les choses qui font sur la terre plaisir. Et la course qui emmène lui dans un, comment on appelle ça, pour vivre une vie aisée. Et c'est la course que les hommes et les femmes peuvent courir là. Je aussi emmène les enfants courir dans même la course. Comment le dire dans sa parole-là? Le dire, ben, dis-moi, je pense que manger, je pense que boire, que l'amusement. Je te marie et marie aussi les enfants. Non? Et nous connaissons qu'au temps de Noé, qui s'est passé? Ben, dis-moi, tu vis dans la débauche. Ben, dis-moi, tu vis dans le dérèglement. Ben, dis-moi, tu vis dans le péché. Ben, dis-moi, tu les autres conduire par tout ce qui était naturel. Dis-moi, tu es violent. Dis-moi, tu es égoïste. Dis-moi, tu vis que pour lui. C'est ce propre intérêt. Dis-moi, pas tu vis pour les autres. Mais nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui la course qui nous peut courir? Parce que Jésus, pas oublié, il donne un nouveau cœur. Il met en nous son Saint-Esprit. Il donne l'appel pour servir lui. Non? Dans 2 Corinthiens 5, il dit, nous venons aujourd'hui ben ambassadeur de Christ. Pour qui faire? Représente Christ de la terre. Ambassadeur du royaume de Dieu. Non? Tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus accomplit, nous besoin, nous, en tant que disciples de Jésus, faire pareil. Non? Mais souvent, des fois, c'est difficile pour nous vivre.
parce qu'il demande nous la vie. Il demande renonce à nous-mêmes. Il demande nous prendre la croix, suivre Jésus. Il demande nous faire mort sa vieille homme-là, sa nature du passé-là. Mais souvent, sa nature du passé-là, il prend le dessus. Sa nature du passé-là, il remonte à la surface. Il emmène nous pour toujours une tendance pour emmener nous vers ce qui dans le monde. Vers ce qui ben quitte de la chair, qui nous la chair content, ben plaisir. Hein? Comment nous dire dans Jean? Jean dit comme ça, enfant n'est pas content le monde, ni les choses qu'il trouve dans le monde. Si quelqu'un lui content le monde, l'amour du Père pas en lui. Non? Le monde, avec tout ce qui peut passer aujourd'hui, avec tout ce qui construit aujourd'hui, nous lisons, nous convoitons ces choses-là. Hein? Nous convoitons toutes ces choses-là. Et nous, souvent des fois, nous ne pas réaliser quand nous pouvons convoiter toutes ces choses-là et que nous pouvons désirer pareil comment le monde vive. Nous éloignons-nous du plan de Dieu. Nous éloignons-nous du plan de Dieu. Pas oublier, mes frères et sœurs, ce plan bon Dieu-là, avant même la fondation du monde, bon Dieu, tu prépares ça pour vous et moi. Je connais qu'ils ont dit dans la période que nous pouvons vivre. Mais qui, dans nous, les cœurs, nous est là? Parce que c'est un moment aujourd'hui-là. Beaucoup de choses qui peuvent venir pour écraser nous la foi. Non? D'ailleurs, Jésus même dit, est-ce que quand on peut retourner pour qu'on a toujours la foi dans nos cœurs? Parce que beaucoup pour faire naufrage dans la foi. Hein? Parce qu'ils ont fait naufrage dans la foi par rapport à tout ce qui peut passer aujourd'hui. La vie difficile. Toute chose peut devenir difficile. Du monde peut faire toute manière pour qu'il puisse être capable de vivre la vie facile. Il prend même pour tuer quelqu'un. Il prend même pour faire beaucoup de choses juste pour qu'il cesse son intérêt. Non? Mais nous qui nous la cause aujourd'hui, en tant enfant de Dieu, en tant papa, en tant mari, père de famille, hein, en tant maman, qui nous la cause aujourd'hui? Qui nous peut construire dans la vie de nos familles? Qui nous peut construire dans la vie de nos enfants? Pas oublier, toute décision que nous prenons aujourd'hui est une conséquence demain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous peut prendre la bonne décision pour construire dans la vie de nos familles, pour amener nos enfants grandir dans le Seigneur, pour amener nos enfants, gagner le désir, marcher avec Jésus aussi. Connais quand on lit dans la Bible, où la vie, ben hommes bon Dieu, ben hommes qui bon Dieu choisir, qui ne met à part. Souvent, ça ben dit moun là, je t'en quitte beaucoup de choses derrière pour suivre plan bon Dieu. Je ne sacrifie beaucoup de choses pour suivre plan bon Dieu. Parce que je connais que de ce plan-là, que de bon Dieu, tu en viens à mener. Quand nous guettons la vie d'Abraham, quand nous guettons la vie de Noé, par exemple. Noé, la Bible dit nous dans Hébreu 11, qu'il dit, à nous lire ça ensemble, tournez la Bible dans Hébreu 11. Hein? La Bible dit nous, comment Noé, quand il était averti par bon Dieu, il s'est averti par bon Dieu t'y dit à lui sur l'intention pour détruire le monde. Qui fait bon Dieu t'as envie de détruire le monde? Parce que c'est un plaisir pour bon Dieu? Non, bon Dieu t'y crée le monde avec les hommes dedans, avec tout ce qui est bon. Non, quand nous lisons dans la Genèse, nous trouvons comment bon Dieu t'y crée le monde, tout ce qui est bon. Mais le péché, il amène le cœur de l'homme tourné vers des choses qui ne sont pas bonnes.
Et le péché, il amène l'homme faire des choses qui pas bon. Qui quand bon Dieu dit ça, il a tristé. Non? Et dans Hébreux 11, les versets 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construire un arche pour faire quoi? Un arche pour sauver sa famille. Non? Et nous disons, elle est là, que l'événement qui peut arriver, qui attend nous, c'est même l'événement au temps de Noé. Hein? Ben Dimoun, tu penses que l'amusement. Ben Dimoun, tu penses que faire plaisir, je te laisse. Non? Marier tes enfants. Tout se déroule d'une manière pour faire plaisir, la sœur. Mais là, quand Noé n'entend l'avertissement de Dieu, la Bible dit à moi qu'il saisit de la crainte dans son cœur. Il réalise qu'il peut arriver lui, qu'il peut arriver sa famille demain. Il prend une décision dans son cœur. Et qui une décision où, père de famille? Qui décision où, maman, pour famille? Qui vous décidez pour vivre aujourd'hui? Mais Noé, lui, il est prêt pour sacrifier sur la vie pour sa famille. Pendant 150 ans, Noé est consacré sur la vie pour construire un arche. Dis-moi, il moque de lui. Dis-moi, il dit toutes sortes de choses de lui. Non? Mais lui, dans son cœur, les ce qu'on plan bon Dieu. Dans ce cœur, les petits prêts, même si tout le monde moque lui, il peut construire quelque chose pour l'éternité, pour la vie éternelle. Non? Et c'est ça qui était le but de Noé. Construire un arche, mettre sa famille là-dedans, protéger sa famille contre tout le fléau de ce monde, contre toutes les affaires qui peuvent arriver dans le monde. Non? Et nous trouvons comment Noé, dans son équerre, il allait jusqu'au bout. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré la haine que le monde tient contre lui, mais il ne baisse les bras, mes frères et sœurs. Il ne laisse pas décourager. Il n'y a pas de moment difficile, il n'y a pas de moment dur. Il n'y a pas de moment de découragement, tu là, tu viens. Mais bon Dieu, tu relèves lui. Bon Dieu, tu fortifies lui. Bon Dieu, tu renouvelles lui pour qu'il est capable de continuer le sa semaine là. Continuer construire. Continuer préparer pour l'avenir. Non? Mais nous, dans nous, les cœurs aujourd'hui, qui plan, qui vision nous avons? Quand nous connaissons bon Dieu, quelle vision nous avons aujourd'hui pour nos familles? Je parle avec vous là, frère et sœur, papa, maman. Je cause avec vous aujourd'hui. Qui pleure ou non? Marier aux enfants, amuser, ça même tout. Hein? Que vos enfants marier gagnent la case, ça même tout. Hein? Aujourd'hui, qui nous peut attendre aujourd'hui dans la vie de nos enfants pour qu'ils vivent demain? Attention, que nous prenons une décision aujourd'hui qui est capable de causer une catastrophe dans la vie de nos familles. Hein? Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui prennent une conséquence demain. Quand nous guettons Noé, nous prenons une bonne décision, nous bâtir sur un bon fondement. Hein? Nous bâtir sur un bon fondement. Jésus parle dans Matthieu. Hein? Comment les sages, il bâtit sa maison sur les sables. Le fou, il bâtit sa maison sur les sables. Non? Mais le sage dit, l'occulte, il bâtit sur la case, sur le roc, sur une fondation solide. Non? Hein? Et maman courageuse ce matin, l'occulte, il bâtit sur la case. L'occulte, il bâtit sur la vie. L'occulte vision l'est fondée.
nous besoin gagner sa même latitude là nous ne cœur pareil comme l'autre. Il a été prêt pour sacrifier sur la vie pour sa famille. Mais nous avons l'autre exemple encore. L'exemple de Lot. Lot, lui, me parle de Noé tout à l'heure là, mais aujourd'hui, Lot, là maintenant, Lot, lui, il choisit la plaine de Jourdain. Il choisit ce qui est facile. Il choisit le confort. Il choisit un plan pour amener sa famille. Pour lui, il trouve ce plan-là meilleur. Mais Noé, qui Noé fait lui? Noé choisit un plan. Peut-être que tu peux bien amener lui, que tu amènes lui pour payer un prix. Que tu amènes lui pour sacrifier sur la vie. Que tu amènes lui pour vivre dans la souffrance, peut-être. Pas peut-être, mais c'est une réalité. Hein? Mais à la fin, nous trouvons le résultat de la vie. Mais l'autre, lui, qui était ce plan? Le qui critère il choisir pour prendre un nouveau plan, un nouveau départ, pour quitter Abraham, pour aller? Parce que c'est la même complication. Pas si facile. Il t'y choisit maintenant pour vivre la vie facile. Il t'y choisit le confort de la vie. Il lève la tête, il lève les yeux, il trouve le Jourdain. Il dit, eh bien voilà, c'est là que tu me peux aller. Mais il parti connaît que le Jourdain, c'était le piège pour détruire sa famille, pour détruire sa vie. Et nous tout connaissons l'histoire de Sodome et Gomorre. Hein? Mais Dieu fait grâce à Lot. Hein? Quand Abraham connaît le plan de Dieu, il connaît comment bon Dieu parle de détruire Sodome et Gomorre, il intercède pour Lot. Il intercède pour lui, mais bon Dieu sauve lui. Mais malheureusement, mes frères, c'est des fois, ben, une décision que nous prenons a une conséquence de la manière que nous amène nos enfants. Demain, nous sommes capables sans nous l'idée. Demain, nous sommes capables de retourner nos décisions. Mais ce qui nous sème dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, la conséquence. Hein? Nous trouvons comment l'autre, madame, tu es tellement content de Sodome et Gomorre. Tu es tellement content de la vie-là. Tu regrettais pour quitter la vie-là. Parce que pour lui, il est content de la vie-là. Non? Et nous trouvons quand il est sorti, il tourne toujours le regard derrière pour guetter. Et nous rappelle que la Bible dit, il est devenu une statue de sel. Non? Mais où? Qui on choisir pour les enfants? Qui la vie ou envie vivre pour encourager aux familles? Qui la vie ou envie vivre aujourd'hui pour être un modèle, pour être un exemple? Pour donner la vie pour madame. Pour au peuple la force, pas pour capable. Et une seule semaine, c'est que chacun de nous, nous renonce à la vie. Chacun de nous, n'accepter prendre ça la croix là. Mort. Accepter, humilier nous. Accepter quand l'évangile les confronte nous. Accepter le brisement qui bondit en vie amène dans nous la vie. Frères et sœurs. Accepter, prêt pour humilier nous, prêt pour demander pardon. Sans ça, nous ne sommes pas capables d'avancer. Sans ça, nous ne sommes pas capables d'aller plus loin. Mon courage, frères et sœurs, pas décider que vos enfants ont besoin de faire. Prends-les ces mains aujourd'hui pour lui. Encourage-les, qui ces mains les ici, ils besoin de prendre. Vive l'évangile, c'est où? Pour que vos enfants trouvent comme un modèle. Pour que vos familles les protégent. Pour que vos familles les pas désirent pour cesse dans le monde. Pour tout ce confort. Mais dans la case même.
Il connaît qui c'est, mais il s'en prend. Il gagne la foi de ce cœur. Parce qu'on a la foi dans le cœur aujourd'hui pour construire dans le royaume de Dieu. Mais si vous prenez la foi, mais que vous pouvez investir dans vos enfants, vous ne pouvez pas investir la foi dans ce cœur. Vous ne pouvez pas emmener lui pour gagner la foi en Jésus. Parce que nous-mêmes, nous inquiétons nous de beaucoup de choses qui nous pour manger, qui nous pour boire, qui nous pour vêtir. Hein? Beaucoup d'inquiétudes dans le cœur. Et nous faire ressentir cela, nous manifester des attitudes dans le cœur. Et nos enfants, nos familles, les subir des choses. Et comment des fois, nous avons quelqu'un qui remplit l'égalisme, la loi. Nous avons envie que nos enfants soient comme ça, nous avons envie que nos madames soient comme ça. Nous finissons par détruire la vie de nos familles. Nous emmenons nos familles dans toutes sortes de choses qui n'est pas les plans bon Dieu. Mais moi, je viens encourager ce matin. Je ne suis pas là pour pointer les doigts là haut. Je ne suis pas là pour accuser. Nous tous faisons erreur, mes frères et sœurs. Nous tous nous passons à côté. Nous tous nous ratons. Mais il y a un plan bon Dieu. Il y a la grâce. Hein? Pareil que mon bon Dieu, tu manifestes sur la grâce envers l'autre. Hein? Il manifeste, il manifeste sur la grâce aujourd'hui encore. On passe à côté. On faillit. On faillit de responsabilité. On faillit vis-à-vis aux madames. On faillit vis-à-vis aux enfants. Mais pas perdu l'espoir, frère. Pas perdu l'espoir, il y a un plan pour vous. Ben jeune, peut-être que tu ne passes difficile, moment difficile que je. Mais pas perdre l'espoir, il y a un plan bon Dieu pour vous. Choisir pour mort selon l'évangile. Choisir pour mort selon la voie de Dieu. Pas les soi attirer vers le monde. Ne pas aimer, pas content le monde plus que bon Dieu. Ou pas perdre la vie dans le monde. Il y a la grâce qui peut manifester aujourd'hui pour sauver vous de sa génération perverse. La Bible parle nous comment le voleur, dans Jean 10, 10, il disait comment le voleur est venu pour détruire, pour égoser, pour tuer. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et moi, je viens encourager ce matin, pas perdre l'espoir. Il y a un espoir pour un sac à l'eau. Parce que l'évangile, il est encore plus annoncé. Il n'est pas trop tard pour changer nous la vie. Il n'est pas trop tard pour revenir dans le bon chemin. Aujourd'hui, peut-être nous ne pouvons pas connaître Jésus. Peut-être nous pouvons entendre sa message ce matin. Hein? Nous faire nous réaliser que nous ne pouvons pas donner la vie, Jésus. Peut-être nous prenons l'espoir quand on trouve ce qui peut passer dans le monde aujourd'hui. Nous prenons l'espoir. Mais aujourd'hui, quand on peut tendre sa message, je suis capable de dire où il y a un plan bon Dieu pour la vie. Il y a une meilleure vie pour vous. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est capable d'arriver dans la vie, bon Dieu, il y a une meilleure pour aujourd'hui. Il suffit que vous, mes frères et sœurs, jeunes qui écoutent moi ce matin, hein, il suffit que vous, ce matin, où tout nous regarde au Jésus, vous dites Jésus, sauve-moi, pardonne-moi. Change-moi la vie. Et si vous croyez, au bout de tout, cela est réalisé. Parce que comme on dit, elle est là, avec Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes du passé, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. C'est pour ça que je viens encourager ce matin. Frères et sœurs, pas perdre l'espoir. Hein? Tout nous regarde au Jésus. Fais confiance au Seigneur. Retourne, ressaisis-vous, revenir, ou ne faillir. Hein? Peut-être parce qu'à cause de vous, ou famine détruire. Peut-être à cause de vous, on perdit tout. Mais pas laisse la condamnation écraser. Pas laisse le fardeau de ce monde venir écraser. Hein? Jésus dit où ce matin, vini, dépose le fardeau au pied de la croix. Hein? Lui pour de nous ce fardeau. Lui pour mettre le haut ce joug. Parce que le monde lui met un fardeau pour écraser.
Le monde met un zouglou pour conduire où dans toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, hein, ce fardeau de léser pour amener nous dans la bonne voie, pour construire de la bonne manière, pour trouver le plan bon Dieu. Parce que demain, tout pour détruire. Demain, tout pour arriver. Pareil, comment le dire? Tout ce qui peut arriver, ça va être comme au temps de Noé. Hein, le délice, le feu que tu viens brûle, hein, Sodome et Gomorre. Mais c'est un temps qui arrive demain, des tribulations, des temps difficiles qui peuvent arriver. Mais bon Dieu a envie que nous marchons avec lui pour être sauvés de sa génération-là. Pour être sauvés. C'est pour cela que je m'encourage ce matin. Alors, qui fondation on peut construire? Qui vision on a? Après qu'on entende sa message ce matin, est-ce que pour continuer leur propre la voie? Est-ce que vous prêt pour sens sa direction-là? Est-ce que vous prêt pour prendre sa nouvelle direction-là? Mais vous connaissez que bon Dieu est avec vous. Que bon Dieu est prêt pour accueillir vous. Que bon Dieu est prêt pour être à vous par la main. Pour reprendre vous. Et pour suivre vous avec, pour faire vous suivre lui ensemble. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas croire que tout est perdu. Bon Dieu est capable de reconstruire tout dans la vie. Je connais beaucoup de témoignages comme cela. Moi-même, la vie n'est pas si facile. Mais quand je accepté pour prendre ça à la croix là, hein, je suis tout bon Dieu construire ma famille. Je trouve mon cœur changé. Mon attitude changé. Bon Dieu, emmène-moi. Humilie-moi devant madame. Bon Dieu, emmène-moi. Humilie-moi devant mes enfants. Pour gagner sur le cœur. Pour que l'ici soit capable de vivre sa vraie chemin-là. Et ce matin, mon courage, ce matin. Occupez, écoute-moi. Il y a un plan bon Dieu pour la vie. Si toutefois, ou là, ça met ça à hasard, il y a tout sous la vie. Si toutefois, ou là, bon Dieu, une cause de coup de cœur, il fait réaliser que vous pouvez aller vers la perdition et que vous pouvez souffrir ce matin ensemble. Moi, j'ai envie de prier avec vous. Moi, j'ai envie d'emmener nous ensemble vers Jésus. Peut-être pour que Dieu nous le cœur, Jésus. Peut-être pour la première fois, on peut entendre ça, mais ça a ce matin. Mais ce matin, ensemble, à nous prier. Hein? À nous prier ensemble. Ouvrez le cœur, fermez les yeux, là où tu étais, à nous prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous devons toi, me prier toi, pour tous mes frères et sœurs, pour tous ceux qui, aujourd'hui, qui n'entendent tes paroles, pour la première fois, ou peut-être plusieurs fois, mais qui réalise l'état de la vie. J'ai envie de prier pour sa personne-là ce matin, Seigneur, qui t'étende toute la main. Et que ça, le cœur de sa personne-là ce matin, Seigneur, le tourne vers toi. Dis avec moi ce matin, Jésus, pardonne-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Me tu ignorant, me tu privé de toute la grâce. Mais aujourd'hui, je t'entends de la voix, je t'entends de parole. Je les viens vers toi. Je me réalise que je suis éloigné de toi. À cause de mes péchés, je suis privé de toute la grâce. Mais ce matin, je t'entends de la voix. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi un nouveau cœur, Seigneur. Lave-moi de tout mon passé. M'accepte-toi comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Viens habite dans mon cœur. Parce que aujourd'hui, me prends la décision pour marcher avec toi. Et conduis-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour toute la grâce qui manifeste aujourd'hui dans mon la vie. Mais un homme nouveau.
tu ne pardonnes pas pour mon passé. Merci. Seigneur, je prie toi ce matin pour tous mes bons frères, mes bonnes sœurs, et ainsi que le nouveau qu'il a. Après que nous entendons tes paroles, Seigneur, touche-nous la vie. Aide-nous. Emmène-nous. Conduis-nous le cœur par ton Saint-Esprit à prendre de bonnes décisions. Seigneur, que toute la grâce est manifestée, donne-nous la vie pour que nous soyons capables de sortir quand nous étions là, prendre cette direction-là. Construire sur une bonne fondation. Gagne ça la crainte-là, donne-nous le cœur pour qu'on ait ton plan, pour faire ta volonté, pour marcher avec toi. Seigneur, me fais ta confiance ce matin. Que mon vie les pour ne plus pareil. Mon vie les pour refléter toi. Mon vie les pour manifester l'amour de Dieu. Les pour un nouveau la vie. Pour qu'il me capable réellement, Seigneur, venir un ambassadeur de Jésus. Pour représenter sa nouveau la vie là. Seigneur, merci. Merci pour toute la grâce dans mon vie. Merci que tu es capable d'être moi, Seigneur, pour que je sois capable de vivre pleinement de ce que toi, tu as envie pour moi. Merci, Jésus. Si ce matin, vous priez ensemble avec moi, vous avez besoin de l'aide, vous pouvez trouver là un numéro que vous affichez. Hein? Contactez-nous. Ça peut faire un grand plaisir, un grand joie pour nous. Prends contact avec vous et aide-vous. Pour moi, c'est avec Jésus. Que le Seigneur bénisse vous. À la prochaine fois. Merci de nous retrouver sur ECI TV. ECI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.